Formé d'abord à Tours, Jean-Gabriel Goulina entre à l'école des Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Fernand Cormont. D'abord restaurateur pour des antiquaires et auteur d'un traité de technique picturale publié en 1922, il dirige, à compter de 1935, les ateliers de restauration des musées nationaux. En 1929, le journaliste André Gégère utilise ses peintures comme illustration d'un reportage sur Sète après un voyage en sa compagnie. Depuis le Grand Hôtel, où 5 ans plus tôt a séjourné Albert Marquet, il peint le palais consulaire de l'architecte Adolphe Dervaux, tout juste sorti de terre. La toile se divise en secteurs superposés, dans lesquels la touche et la densité picturale diffèrent. Entre le ciel liquide et le canal opaque, presque métallique, le bandeau central s'organise en une marqueterie de nuances d'ocre à la manière de coraux. Unifiant les espaces, dressés dans le ciel ou décomposés dans un reflet, le beffroi en forme de minaret du palais consulaire articule verticalement la composition. Pour Goulina, le paysage est plus une construction qu'une impression, car pour lui, un véritable artiste ne peint pas tout ce qu'il voit, mais voit tout ce qu'il peint.